Bonjour à tous les amis, c'est Adrien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo car j'ai acheté un PC gamer complet sur Wish. Cette vidéo est sponsorisée par Crush Shopper, je vais donc vous présenter leur site et leur concept que je trouve plutôt cool. Alors Crush Shopper est tout simplement un comparateur de prix qui permet de trouver facilement le meilleur prix d'un produit en ligne. Mais attention, ce n'est pas un comparateur de prix comme il en existe des centaines sur le web. C'est vous, les shoppers, qui font tourner ce site. En effet, vous pouvez même gagner de l'argent grâce à Crush Shopper, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Alors son fonctionnement est très simple, si vous souhaitez acheter un produit dans n'importe quel domaine et que vous voulez bien sûr avoir le meilleur prix possible pour l'acheter le moins cher possible, vous allez consulter leur base de données pour voir si le produit avait été cherché auparavant. Et donc vous aurez tous les meilleurs prix du moment. Si vous ne trouvez pas votre produit sur leur site, surtout pas de panique. Vous pouvez faire appel aux shoppers pour qu'ils vous trouvent le meilleur prix du moment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour vous car vous-même vous pouvez devenir shoppers et gagner de l'argent grâce à ce site. Pour cela c'est très simple, vous n'avez qu'à consulter la liste des demandes et ça sera à vous d'aller fouiner dans les entrailles du web pour trouver le meilleur prix du produit. En échange de ça, vous cumulerez des points que vous pourrez ensuite échanger en argent ou en diverses cartes cadeaux. Pour ma part, j'ai voulu tester la rapidité des shoppers et j'ai donc posté une demande concernant un PC portable gamer. Au bout de seulement 10 minutes, j'ai reçu un mail pour me dire que quelqu'un avait répondu à ma demande et donc m'avait trouvé le produit à prix réduit. Enfin bref, je pense que vous avez compris le concept de Crush Shopper. Je vous mets bien sûr le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous y inscrire pour trouver le meilleur prix d'un produit ou encore devenir shoppers pour gagner de l'argent. Donc bon, revenons au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire que j'ai acheté un PC gamer complet sur Wish. Oui, oui, c'est pas une blague, j'ai mis à peu près 400 euros, donc ça dépend, vu qu'il y a des frais de douane, des frais de machin, des frais de trucs. Bref, j'ai acheté des composants gamer sur Wish, enfin gamer, je l'espère. Je vais dans quelques instants vous les présenter, puis ensuite on essaiera de monter le PC ensemble, de l'allumer et on verra ce qu'il donne. Donc, bien sûr, sur Wish, c'est pas facile de trouver un PC gamer complet, en fait, de trouver tous les composants parce qu'il n'y a pas tout, ou du moins, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, j'ai essayé de prendre les composants le moins cher possible, mais aussi le plus performant possible, enfin sur le papier et surtout compatible, voilà, on verra bien comment ça se passe au niveau du montage, mais je vais tout de suite vous les présenter. Donc on commence par le processeur. Donc voilà, le processeur que j'ai reçu récemment, donc je l'ai payé environ 40 ou 50 euros hein. Je vais tout de suite vous le déballer, je vais lire ce qu'il y a écrit dessus parce que bien sûr je suis pas forcément sûr de ce que c'est. Donc voilà, alors bah écoutez, c'est un packaging comme d'habitude pour les processeurs hein, il est bien emballé, on va l'ouvrir délicatement. Alors dessus il y a écrit i5 2500 cadencé à 3,30 gigahertz. Donc bon voilà hein, c'est pas un processeur non plus ultra récent, mais il est pas non plus très vieux. En tout cas voilà, j'ai pris un i5, enfin un pseudo i5, donc je pense que c'est un vrai parce qu'il a l'air d'avoir des traces de pâte thermique dessus, donc on dirait un i5 d'occasion. Mais en tout cas voilà, on va essayer de le mettre sur la carte mère, donc je vais tout de suite vous amener la carte mère. Donc voici la carte mère qui normalement devrait être compatible avec le i5 2500. Donc j'essaie de prendre le socket compatible hein, donc voilà, normalement c'est bon. Donc c'est une carte mère sans marque hein, j'ai pris au format petit, donc je crois que c'est les micro ATX. Donc voilà, on va vite fait l'ouvrir. Donc voici la carte mère au format mini ATX ou micro ATX, je sais plus trop. Donc voilà, c'est une carte mère assez simple, même au niveau des connectiques c'est là aussi ultra simple, il n'y a pas grand chose. Il y a bien sûr les jacks, des USB, il y a 4 USB, un port Ethernet, un port VGA, alors ça c'est vieux, il y a un HDMI donc c'est plutôt pas mal, et il y a encore 2 USB. Donc voilà, c'est plutôt simple à ce niveau là il y a bien sûr les deux petits emplacements pour mettre de la RAM. J'allais pas prendre non plus une carte mère hyper puissante à ce niveau là mais bon voilà, ça reste très correct hein. Il y a pas mal de cartes mères sur Wish, mais faites attention, elles sont pas toutes compatibles, elles sont un peu bizarres. Celle-là, je l'ai payé pareil, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Donc voilà, on va tester. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout au niveau du montage. Donc là, on verra bien. Mais là, voilà, au niveau de la qualité, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une marque dessus? J'arrive pas à voir. Non, c'est une sans marque. Donc voilà, on essaiera bien sûr de voir au montage comment ça marche. Donc ensuite, j'ai bien sûr pris de la RAM hein, parce que dans un PC gamer, il faut pas mal de RAM. J'ai pris 2 barrettes de RAM, donc de 4 gigas chacune, ce qui fait 8 gigas de RAM, ce qui reste là aussi assez correct. Après bien sûr je n'ai pas connaissance de la fréquence de cette RAM, je crois juste que c'est la DDR3, après j'en suis pas très sûr. J'ai payé il me semble 12 ou 16 euros la barrette, donc ce qui nous revient à peu près un peu plus de 30 euros. Donc voilà, alors au niveau de la marque il y a marqué Kingston dessus, mais en tout cas elle est compatible normalement avec la carte mère vu que c'est la DDR3. Et puis voilà, bah, après voilà, c'est on dirait de la Kingston mais de type bas de gamme, mais en tout cas voilà, deux petites barrettes de RAM assez sympathique, bien emballé et surtout pas non plus dégueulasse hein, et on verra bien sûr si elles marchent et surtout on verra au niveau de la fréquence si elles sont potables ou non. Alors ensuite bien sûr le stockage, donc j'ai pas pris de SSD, ça coûtait trop cher. Là j'ai trouvé un disque dur, je vais vous le déballer dans quelques instants. C'est un disque dur, alors il me semble Seagate Barracuda, donc une marque assez connue dans le domaine des disques durs. J'ai pris 1 Tera, celui-là il coûtait assez cher, il coûtait 60 euros, donc quasiment le prix qu'on peut trouver en magasin en France ou même sur internet. Donc comme vous pouvez le voir,
Alors, c'est un Seagate Barracuda 1 Tera. Alors, au niveau de la cadence, c'est tours par minute, est-ce que c'est marqué? Au niveau des tours par minute, on est sur du 7200 tours, donc ce qui reste un disque dur assez classique, assez potable. Là aussi 1 Tera, c'est du Seagate Barracuda. Au niveau des connectiques, là aussi, bah, c'est des connectiques récentes, hein, on n'est pas sur des vieilles connectiques qu'on avait avant sur d'anciens disques durs. Le disque dur a l'air là aussi vrai, donc voilà, j'ai payé assez cher comme je vous l'ai dit, et en plus c'est du Seagate Barracuda, donc c'est une bonne marque. Pour refroidir le processeur, j'ai bien sûr pris un Ventirad, donc là c'est un Ventirad chinois, comme vous pouvez le voir, j'espère compatible avec la carte mère et compatible avec le processeur. Je l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros, mais bon voilà, il fera son taf, je pense pas que ça va chauffer non plus énormément là-dedans, mais en tout cas voilà, il fera son taf, il est plutôt conséquent, il est plutôt gros, et je pense que là aussi il dissipera bien la chaleur. Pour rester dans le domaine du refroidissement, j'ai pris bien sûr de la pâte thermique qu'on va pouvoir mettre sur le processeur pour dissiper la chaleur et la répartir dans le Ventirad que vous avez vu juste à présent. Donc voilà, c'est une pâte thermique assez simple, hein. J'ai pas non plus cherché bien loin, ça a coûté quelques centimes. Ensuite j'ai pris un autre ventilo qu'on va mettre dans le boîtier que je vous présenterai tout à l'heure, parce que vous verrez que dans le boîtier il n'y a pas de ventilo de fourni. Donc voilà, j'ai préféré en prendre un au cas où, comme ça au moins ça refroidira vite fait le PC. Donc ensuite, pour alimenter ce PC, il va bien falloir une alimentation. Donc voilà, une alimentation ici, une alimentation simple, hein, pas de marque là non plus. Elle m'a coûté je crois 50 euros. Je vais vous la déballer dans quelques instants parce que je me rappelle plus de sa puissance. J'espère que ça va être d'assez bonne qualité, parce que l'alimentation c'est ce qui va faire un peu tout. Si le PC crame ou s'il y a une surtension, c'est elle qui va servir à couper le courant et du coup à éviter que tous mes composants, voire ma maison, crame. Mais normalement voilà, ça devrait le faire, je vais tout de suite la déballer. Donc voilà, on est sur une alimentation non modulaire de 600 watts, donc je pense que 600 watts ça suffira largement. Il y avait le choix sur Wish de diverses alimentations de 300, 400, 500 watts. J'ai préféré prendre 600 watts pour être là aussi tranquille et ne pas avoir problème de surtension. Donc maintenant, le composant le plus important dans un PC gamer, c'est bien sûr la carte graphique. Donc voilà, j'ai pris une 1060, enfin j'espère que c'est une 1060, en tout cas dans la description et sur le papier c'était une 1060. Là je l'ai payé je crois 65 euros, il me semble. Donc on va la déballer, on va voir à quoi elle ressemble, si elle ressemble à celle que je vous ai présentée il y a quelques semaines de là. Je vous mettrai bien sûr la petite annotation à droite ou à gauche pour aller voir la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Donc la voici, la voilà. Techniquement on est sur une 1060 3 Go, enfin je sais pas, bref c'était marqué comme ça dans la description. Ce qui m'intrigue c'est qu'il y a bien sûr un ventilo, hein, c'est un peu chaud. Au niveau des connectiques à l'avant, vous avez un DVI, un VGA et un HDMI qui sont des connectiques assez vieilles, surtout au niveau du DVI et au niveau du VGA, on n'emploie plus trop ça, c'est surtout en ce moment le DisplayPort et l'HDMI. Encore une fois, on verra bien sûr si ça fonctionne, peut-être qu'avec des composants full Wish, la carte graphique aura de belles performances. En tout cas, ben, elle ressemble fortement à celle que j'avais achetée il y a quelques semaines, donc j'espère que la conclusion de ça, ce sera pas celle que j'ai fait avec l'autre carte graphique, c'est-à-dire que je l'ai explosée. Et enfin, bien sûr, ben, le boîtier dans lequel je vais pouvoir simplement mettre tous mes composants. Donc voilà, on va enlever quand même les plastiques, hein, on va pas s'embêter, hein. Donc voilà, je sais pas comment vous le trouvez, en tout cas moi je le trouve plutôt joli. Là il fait aussi assez bonne qualité. Je l'ai payé 30 euros, hein. Il y a une fenêtre qui est ici, donc on est sur un boîtier moyenne tour. Donc voici à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc j'espère qu'il y aura la place de tout mettre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de ventilo fourni dans ce boîtier. Mais bon voilà, ça devrait le faire, ça devrait rentrer, il n'y a aucun souci à ce niveau là Au niveau des connectiques, sur le dessus vous avez les deux ports jack, deux ports USB. Et puis c'est tout, voilà, ça reste très minime au niveau des connectiques boîtier. Mais voilà, s'il n'y a aucun souci à ce niveau là à l'intérieur il y a bien sûr les câbles de base qui sont fournis, qui sont branchés, il n'y aura plus qu'à les brancher sur la carte mère. Bon bah c'est parti, maintenant on va monter le PC, donc je vais vous mettre ça en accéléré pour pas que ça soit trop chiant pour vous. Et puis bien sûr après on se retrouve pour l'allumage. Standing by the edge, not looking down, 'cause I want you to know. I'm not afraid to die.
le PC Gamer Wish finalement monté. Pour ma part, on se retrouve une semaine après l'avoir monté. Je me suis laissé le temps de bien pouvoir le tester pour que je puisse vous en donner mon meilleur ressenti et surtout ce que j'en pense sincèrement. J'ai quand même passé beaucoup de temps sur Wish à essayer de trouver les composants les mieux optimisés et surtout les moins chers. C'est vrai que j'ai pas mal galéré à faire ça, c'est pour ça que je vous ai présenté Cross Shopper en début de vidéo, parce que si vous aussi voilà, vous galérez à trouver les meilleurs prix des produits, et bien tout simplement leur communauté va s'en charger pour vous. Donc c'est pour ça que je les ai mis en avant et surtout c'est pour ça que je vous mets le lien dans la description. Donc en ce qui concerne le PC Gamer Wish, je vais vous parler des composants un par un, donc de tout ce qui compose ce PC, de vous dire ce que j'en pense. Donc en ce qui concerne ce PC Gamer Wish, je vais vous laisser aller voir la chaîne de mes amis French Hardware, je vous mettrai le lien dans la description, parce que eux aussi ont acheté la même config, enfin quasiment la même config sur Wish, et ils vont en faire prochainement aussi une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, peut-être qu'il y aura plus de choses que dans la mienne, peut-être moins de choses, peut-être des choses différentes, une approche différente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien de leur chaîne dans la description. Finalement au niveau du montage, j'ai pas eu trop de soucis, c'est monté vraiment bien, après il s'est allumé assez bien là aussi, j'ai installé tout ce que je devais installer dessus, mais les composants ne suivaient pas, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Donc on commence tout d'abord par le boîtier. Donc voilà, le boîtier qui est ici, c'est un boîtier que j'avais payé pas très cher hein, pour un boîtier gaming. C'est vrai qu'il est sympa hein, moi j'aime bien son design, surtout avec la petite fenêtre. Là aussi il est bien, c'est un bon boîtier, on va pas se le cacher. Le seul souci c'est qu'il fait un peu camelot, les matériaux qui sont dans ce boîtier là sont pas top. Mais bon, à part ça, il y a les emplacements pour les ventilos là où il faut. Il y a une belle fenêtre, il y a un beau design, il y a sur le dessus quelques connectiques. À l'intérieur il y a quand même pas mal de place. Au niveau du boîtier, pour ma part, il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau des composants intérieurs, au niveau de l'alimentation par exemple, on va commencer par ça. C'est une alimentation qui est assez dangereuse. Je m'explique, elle n'est pas certifié bronze, or, argent. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu tendu de mettre des composants gaming, donc qui vont forcément tourner assez fort et qui vont demander beaucoup d'électricité sur une alimentation qui n'est pas de confiance et qui n'est pas certifiée. Mais à part ça, l'alimentation fait bien son taf hein, elle alimente les composants du PC, donc rien à redire pour l'alimentation, à part qu'à l'arrière il n'y a pas de bouton on off, donc voilà, ça c'est un peu chiant. Ensuite, maintenant passons aux composants un peu plus délicats, donc c'est à dire le processeur, donc l'i5-2500. Donc voilà, déjà rien qu'au nom, on s'attend à un processeur plutôt de très très basse qualité, et effectivement c'est un processeur qui a vécu, qui a fait son temps. En plus, le processeur que j'ai là est un processeur qui a fait son temps, vu qu'il a été déjà utilisé avant, vu qu'il y avait des traces de pâte thermique dessus, donc on est forcément sur un processeur d'occasion. Donc c'est vrai que ça ralentit énormément le PC, on n'est pas sur des performances de malade, c'est lent, c'est long, mais bon, en même temps je m'y attendais. C'est vrai que le processeur, il fallait un processeur assez élevé, assez récent, et malheureusement sur Wish il n'y a pas ça. Ensuite, au niveau de la carte mère, bon, c'est une carte mère sans marque, micro ATX, qui là aussi fait son taf. Il y a pas mal de sorties à l'arrière assez sympathiques, il y a de l'HDMI, il y a du VGA, il y a des jacks, il y a des USB, bref, au niveau de ça c'est pas le souci, ça marche très bien. Donc au niveau de la carte mère, il n'y a rien à redire. C'est vrai que le BIOS c'est assez bizarre, il est pas très sympathique, pas très agréable, mais voilà, en ce qui concerne l'utilisation que j'en ai fait, elle a fait son taf, donc rien à redire là-dessus. Au niveau du ventirad et du ventilo que j'avais acheté en plus, et ben là écoutez, pas de soucis, ce sont des ventilateurs que j'ai payé que dalle, et ben franchement ils font leur taf. C'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour les monter, mais bon voilà, si on a un peu de connaissance on arrive à les monter sans trop de problèmes, et ils refroidissent et vraiment bien en plus, c'est pas des conneries, et surtout avec un niveau de silence vraiment acceptable. Limite le ventirad que j'ai acheté là fait moins de bruit que mon ancien ventirad que j'avais sur ma tour. Au niveau des deux barrettes de RAM que j'avais acheté, vous vous rappelez, j'avais acheté 2x4 Go, ce qui me faisait au total 8 Go de RAM en DDR3. Il y avait marqué Kingston sur la barrette de RAM, mais bon, c'est vrai que je sais pas, je suis assez mitigé, on dirait de la DDR3 mais de type première, de la première DDR3 qui est sortie, parce que la fréquence est vraiment très 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 basse, et limite j'avais l'impression d'avoir 4 Go de RAM alors que j'en avais 8. Donc voilà, je ne vous conseille pas là non plus d'acheter de la RAM sur Wish, parce que bah comme on s'y attendait, c'est pas de la bonne qualité. Ensuite, au niveau du disque dur, et là bonne surprise, c'est un vrai disque dur Seagate Barracuda de 1 Tera. Voilà, c'est un disque dur que vous auriez pu acheter en magasin, ça serait le même. C'est un bon disque dur hein, bon,
7200 tours minute, 1 Tera, Seagate Barracuda, une bonne marque. Donc là aussi, rien à dire en ce qui concerne le disque dur, franchement, c'est de la bonne marque. Après, je sais pas si je vais vous conseiller d'acheter des disques durs sur Wish. Peut-être que vous tomberez un jour sur des disques durs fake ou des disques durs sans marque qui ne feront pas le taf et qui perdront vos données. Et maintenant les amis, venons-en au dernier élément qui compose ce PC gamer Wish, c'est la carte graphique. Donc de base, sur l'annonce Wish, il y avait marqué 1060, donc une GTX 1060 que j'ai payé je sais plus combien, 50 €, un truc comme ça. Et déjà bon, au déballage c'est vrai que on l'a tous vu hein, que c'était pas une 1060. J'ai fouillé un peu à l'intérieur, j'ai un peu démonté tout ça après, et j'ai vu que voilà, la puce était effectivement une puce de GT 730, donc une GT 730 qui est quand même une assez vieille carte graphique par rapport à ce qu'il fait maintenant. Et bien sûr, ça s'est forcément ressenti au niveau du PC, hein. Il lag, il fait tourner aucun jeu. Donc les cartes graphiques Wish, c'est vrai que ça peut être attirant au niveau de l'annonce, hein. Vous voyez, 1070, 1080 à 50 €, ouais, ça attire. Mais c'est pas des vraies cartes graphiques. C'est vrai que même en l'extérieur, elles peuvent paraître assez vraies. Mais quand vous, déjà, vous les testez, vous voyez bien que ça marche pas. Mais quand vous allez voir plus profondément au niveau de la puce, vous voyez qu'en général, ce sont des GT 730. Donc voilà, au niveau des cartes graphiques, c'est pourri, ça marche pas, c'est comme l'ancienne que je vous ai présentée il y a quelques semaines, c'est de la merde. Donc en bref, au niveau de ce PC que j'ai acheté sur Wish, qui devait être à la base un PC gamer, bon c'est vrai que vous et moi on s'attendait bien, on savait bien que ça allait pas être un PC gamer qui allait me faire tout tourner. Ce PC là ne fonctionne pas comme un PC gamer, et voilà, ça on le savait, on s'y attendait. J'ai voulu tester et aujourd'hui je vous le présente en vidéo pour vous dire que bah voilà, ce PC gamer Wish n'est pas un PC gamer et il ne marchera jamais comme un PC gamer au vu des composants défectueux ou pas, au vu des composants fake ou pas qu'il y a à l'intérieur, et ben au final... voilà. Donc au final, ça aura été un plaisir pour moi de vous présenter, de monter, de tester ce PC gamer de chez Wish, même si je savais comment ça allait terminer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était beaucoup de travail entre la recherche et la commande des composants. Le tournage qu'on a fait quand même sur 3 jours, hein, on a mis 3 jours à tourner cette vidéo. Encore une semaine après, pendant une semaine du coup j'ai testé le PC, et là, une semaine après, je retourne cette séquence là pour vous dire ce que j'en pense. Bref, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et merci pour les 30 000 abonnés, parce que je vous ai pas remercié, on les a passés il y a une semaine ou deux. En tout cas voilà, merci à vous pour les 30 000. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Standing by the edge now.